Vito, si tu bois le lait comme ça, c'est bon, tu bois plus le lait de maman. Ok? Lui, c'est un foufou de lait. Il veut et ça et mon lait. C'est lui qui demande. Parce que je lui prends des briques pour. Ah, comment ça s'appelle? Pour arrêter en gros l'allaitement. Mais pas pour arrêter, mais en complément quand il est à la crèche. Même quand il est à la maison, il veut prendre. Vous voyez, il prend aussi les biberons pour ceux qui me disent bah, c'est les biberons et tout. En fait, maintenant c'est lui. Avant, il n'en voulait pas du tout et maintenant c'est lui qui décide. Il prend les biberons ou alors il prend mon sein. Dimanche, aujourd'hui, on profite. On fait des câlins. On joue. On a préparé le jeu de société pour tout à l'heure. Tu fais ton peigne? Fais voir comment tu fais, Vito. Maman, là, elle va faire. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un concours. Tu expliques le concours. On va faire un concours de Barbie. On devra s'habiller. Moi, je devrais habiller maman tout en rose. Une coiffure de Barbie rose. Et me maquiller en Barbie. Oui. Elle va choisir les talons, tout. Moi, je vais faire pareil avec elle. Et on va devoir danser et défiler sur la chanson Barbie. Et une Barbie World. Un truc comme ça, là. Et ensuite, on... Bravo mon cœur. Tu fais la trottinette, vélo? Allez mon bébé. Tu l'avais en trottinette, vas-y, relève ça. Allez, vas-y. Bravo, bravo. Super. Très bien mon cœur. Hop. Bye. On peut pas faire de trottinette dehors. Beaucoup trop chaud, 42 degrés ou 43, donc c'est à l'intérieur. Du coup, on lave le sol tous les jours. Mais voilà, ils ne peuvent pas aller à l'extérieur la journée, juste à partir de 6-7 heures, on peut. Bravo! Mais là, c'est trop brûlant. Quand on n'est pas dans l'eau, en tout cas. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de rester à la maison. Mais c'est dur hein, de les occuper à l'intérieur, de ne pas sortir et tout. Qu'est-ce que tu veux? Essuie les mains. Regarde les mains. Va demander un tichou, tichou. Donc voilà, c'est quand même dur de les occuper à la maison. Mais je me dis, demain, l'école, elle reprend. C'est bientôt les grandes vacances. Ah, attends. Donc, voilà. Je vais pas... Et puis, on sort tous les jours quand même. Donc, je me dis, on va essayer de faire une journée à la maison. Mais en plus, quand on reste, tu vois... Arrête, tout. Regardez ce que je suis obligée de mettre sur mon nombril. Non, non, gros bobo. Bobo. Moi, je pense plutôt que dans la vraie vie, on n'a pas les nombrils. Une syllabe. Pieuvre. Pieuvre. Un. Ça, c'est. Ok. Ensuite. Tortue. Tortue 2. Elle compte les syllabes 2. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Bravo, grand garçon, montre-moi. Qu'est-ce que tu as été faire là? Il a fait pipi dans le pot. Pipi au pot. Ce grand garçon. Bravo. Alors,
Il veut mettre. Attends. Eh ouais, mon cœur. Attends. Il veut mettre. Oh, merci, tata. Oh, oh. Oh, c'est pas grave. Mais tu vas ça... maman? Wow, ouais. Tu vas être beau gosse, hein? Beau gosse. Oh. Bon, Billy. Je vais faire manger aux enfants. Vu qu'aujourd'hui on était sur le thème Barbie, il fait Hulk. On était sur le thème Barbie, donc j'ai fait les pâtes Barbie à Luna. Et on a fait les pâtes Hulk pour Vito. Merci. De rien. Attends, peut-être c'est chaud. Non, c'est bon. Tiens, avec la fourchette. Merci les pâtes Hulk. Trop beau. Vous savez, je me suis assise là. Et il m'a dit non, je veux pas. Il veut rester en tête à tête avec Agda. Je suis choquée. Si ta copine Mia elle voit ça, je crois qu'elle va te quitter. Je veux pas. Elle veut pas. Je veux pas, il dit. Je veux pas. Je peux m'asseoir? Je veux pas. Pourquoi? Tu veux rester avec Tata? Oh non. C'était prévu. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Nous, ça va, on a reçu Agda aujourd'hui. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vue. On essaie de se voir souvent, mais c'est vrai que... Oh, avec les emplois du temps, ceux des enfants et tout, on n'arrive pas à se voir autant qu'on voudrait. Mais voilà, en tout cas, on essaie quand même de passer et l'une chez l'autre régulièrement. Donc ça nous a fait trop plaisir de l'avoir à la maison. Et après, sa fille, bon, elle a presque 11 ans, donc elle est grande, quoi. Elle n'aime pas trop traîner avec les petits. C'est pour ça qu'elle ne vient pas souvent. Mais voilà, ça nous a fait trop plaisir d'avoir Agda à la maison. Là, les enfants sont au lit. Luna, elle reprend l'école demain pour une semaine. Vittorio, lui, il n'a pas école. Donc, je pense qu'on va rester à la maison demain. Et voilà, vu qu'il n'y a plus d'école, demain je n'ai. Je disais, il n'y a plus école, demain il n'y a pas de nanny. Et puis bah, tout le monde est parti, il ne reste plus beaucoup de monde sur Dubaï. Papa n'est pas là. Donc en fait, bah, je ne peux pas aller à l'agence vu que j'ai personne pour les enfants. Pour aller. Oh, je vais faire que bailler, pardon. Pour aller récupérer Luna pour Vito. Donc voilà. Je vais rester à la maison demain avec lui. Et j'irai à l'agence mardi, mercredi. Mais après, j'ai toujours le téléphone pro avec moi. Si vous avez la moindre pro avec moi, je travaille tout le temps. Et aussi, petite chose avant d'aller me coucher. Il faut vraiment que j'aille me coucher, machin. Parce que c'est horrible, je fais que bailler. Vous n'allez rien comprendre à ce que je raconte. Je disais, avant d'aller me coucher, je voulais vous faire un petit retour sur justement les retours que j'ai eus concernant l'interview qui est passée avec Jeremy Star sur Baby Story. Bon, j'avais un peu peur parce que c'est vrai qu'au vu des teasers, je me suis dit, oh là là, je vais m'en prendre plein la tête. Et puis au final, bon, ceux qui ont vraiment vu l'interview ont bien reconnu de A à Z et ont vu que voilà, l'interview était vraiment cool et que je vous dévoilais vraiment tout mon quotidien, que j'étais comme d'habitude très honnête, très sincère. Donc voilà, comme d'habitude très honnête, très sincère, et beaucoup l'ont vu, donc je suis très très contente de ça. Et en tout cas, merci pour tous vos retours, parce que j'ai énormément de messages bienveillants, plein d'amour suite à cette interview. Donc, merci à vous. Donc, voilà. Je suis très contente. Merci. Il a ouvert le jus de pomme de sa sœur. T'es gentil, toi. Et Luna, aujourd'hui, c'est bon, il y a école. Les portes, elles sont ouvertes. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait cru que les portes étaient ouvertes. Mais... On avait essayé d'ouvrir les portes. Oui. Et en fait, on était venu un jour férié. Oui. Là, c'est bon, c'est ouvert, on peut aller à l'école. Je suis choquée, il y a encore du monde en classe, hein. Quand même. Dernier jour, terminé. Coucou.
vas faire mon café? Papa. Il attend, hein? Oui. Bravo! Tu fais le beau dessin? C'est quoi ça, Vito? Hippopotame. Bravo! C'est pas venu du premier coup, hein. Il faisait hippopotame. 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 Allez, on apprend les puzzles. Alors, ça, ça va dans les coins. Le bleu avec le bleu. Hop! Maintenant, place à la gym. Ouah ! La gym. Place à la gym. Oh, oh my God. Place à la gym. Stop. Olé. Il danse. Olé. Olé ? Ah, il fait ça, olé. Quel clown d'amour. Antonio, où es-tu? Vito? Coucou! Je t'ai vu! Coucou!